Assalamu alaikum. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de traduction de l'arabe vers le français sur le site d'Al Jazeera. Ta'allum al-Arabiya. Site peu commun, très rare ce genre de site sur Internet, et site dédié à l'apprentissage donc de l'arabe. Ta'allum signifiant apprentissage, qui peut être traduit par apprendre. Ta'allum l'arabia, donc apprendre l'arabe. Donc le sujet justement concerne l'apprentissage et même l'enseignement, les deux. Donc l'enseignement se dit ta'lim, on voit que c'est la même racine. Ta'allum, c'est l'apprentissage, c'est-à-dire on apprend soi-même. Et ta'lim, c'est l'enseignement, c'est-à-dire on apprend aux autres. Donc, Ta'allum al-Arabiya, et on y va, donc cet article-là concerne l'apprentissage ou l'enseignement, les deux, de la langue arabe en Chine, dans la province de Ningxia. Donc, Barnamijun, ouais, Barnamijun, puisqu'après il y a Li, donc c'est pas Idafa, Barnamijun. لتعليم العربية بإقليم نينغشيا. Donc, برنامج, c'est un programme qui n'est pas traduit ici. Donc, c'est un programme. لتعليم, pour l'enseignement. العربية, لتعليم العربية, pour l'enseignement de l'arabe. On peut dire لتعليم اللغة العربية ou bien juste العربية. On sait qu'on parle de l'arabe. لتعليم العربية. Biqlimi, dans la province, Biqlimi, Ningxia, dans la province de Ningxia, donc c'est une province en Chine. Alors, le vocabulaire, Mufradet, Barnamijun, c'est un programme. El Barnamij, le programme. Ibrahamun, c'est la conclusion. La conclusion dans le sens de conclusion d'un contrat, la conclusion d'un contrat, comment on appelle ça? Et quand on conclut un contrat, un marché, tout ça, on appelle ça Ibram. Donc Ibram, la conclusion. Ittifaqiyatun, al-ittifaqiyya, c'est l'accord. Ittifaqiyya, l'accord. Donc Ibram, ittifaqiyya, la conclusion d'un accord ou conclure un accord. Ibrahim Tifaqiya. Ta'awunun, c'est la coopération, la collaboration aussi. Ta'awunun, ta'awun, donc la coopération ou la collaboration. Majel, là ils ont traduit par champ, c'est pas la première traduction que l'on donne, d'ailleurs c'est même pas celle qui serait privilégiée dans le texte. Le Majel, c'est le domaine. Le Majel. Quand on parle d'études, donc, le Majel, c'est le domaine. Après, on peut dire champ d'études si on veut être un peu extravagant, mais la première chose qu'on dit, c'est le domaine. Tu fais des études dans quel domaine? Le Majel. Iqtisad, donc voilà un des Majel. Donc, Iqtisad, c'est l'économie. Tijaratun et tijara, c'est le commerce, et tijara, c'est le commerce. Iqtisad, l'économie, et tijara, le commerce. Thaqafa, la culture. Thaqafa, la culture. Thaqafatun, tijaratun, iqtisadun. Donc, l'iqtisad, et tijara, thaqafa. Et tatwirun, c'est le développement. Tatwir, le développement. Alaqa, c'est la relation. Alaqa. L'alaqatu, eh bien, alaqatun, c'est la relation. Donc, le résumé. La langue arabe est pour la région du Ningxia, Chine, un moyen de développer ses relations avec les pays arabes. Entendez par relation, relation économique, j'imagine. À moins qu'il y ait, bon, on va prêter des bonnes intentions parce que, apparemment,
Mais de toute façon, des relations économiques, pourquoi ça serait mauvais? Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. Ça peut même être bon. Intalaqa fi iqlimi Ningxia bishamali gharbi as-Sin barnamijun lit-ta'limi l-lughati l-arabiyyati lit-talabati l-jami'iyyina min mukhtalifi at-takhassusat. Donc, intalaqa fi iqlimi Ningxia. Donc, intalaqa a été lancé, a démarré, a commencé, une talaqa. On voit souvent ce mot, peut-être l'autre version, une talaq, le commencement, le début, le lancement. Donc là, c'est le verbe. Une talaqa a été lancé, a débuté, a commencé, a démarré. Une talaqa, fi iqlimi, dans la province, fi iqlimi, Ningxia, de Ningxia, bishamali, gharbi, Sine. Donc, notez comment on décrit le lieu de la Chine où ça a lieu. Donc, Bishamali, au nord, Gharbi, ouest, au nord-ouest, Sin. Et là, seulement, on voit le Alif Lam, donc Idafa. Dans le nord-ouest de la Chine, Barnamijun, un programme, Lit-Ta'limi, pour l'enseignement. L'italien pour l'enseignement, l'ourati, l'arabiyati, de la langue arabe, l'oura c'est la langue, l'arabiya, arabe, l'italabati, l'italabah c'est pour les étudiants, l'jamiyina, les étudiants d'université ou universitaires, l'italabati, l'jamiyina, pour les étudiants universitaires, min, deux, donc min c'est deux, mukhtalifi et takhassusat, mukhtalifi de diverses et takhassusat, disciplines ou spécialités, deux traductions possibles, disciplines ou spécialités, mukhtalifi donc diverses, différentes, et takhassusat, spécialités. Waqad sa'a الإقليم وقد سعى الإقليم donc ça c'est pour intensifier donc le passé le la province et l'إقليم la province s'est efforcée وقد سعى الإقليم في السنوات quand elle s'est efforcée donc on voit la place ici du complément circonstanciel de temps dans la phrase arabe donc on l'avait déjà vu sujet verbe ou verbe sujet plutôt, puis souvent on a si on a besoin de préciser le temps, on a complément circonstanciel de temps à cet endroit. Fis-sanawatil akhira, donc quand il s'est efforcé, imtasaa al-iqlim, quand il s'est efforcé, il s'est efforcé, saa al-iqlim, fis-sanawat, dans les années al-akhira, ces dernières années donc. Fis-sanawat al-akhira, ces dernières années, sanawat les années, al-akhira, les années dernières, récentes. L'Ibrahim, donc il s'est efforcé à conclure, l'Ibrahim, vous voyez, conclusion, mais on le traduit par un verbe. L'Ibrahim à conclure, ittifaqiyat, donc plusieurs accords, donc des accords, ittifaqiyat, ittifaqiyat, singulier, ittifaqiyat, donc au pluriel, des accords, ta'awunin ma'a, عدة دول عربية في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية. Donc, في السنوات الأخيرة, ces dernières années, l'Ibrahim, il s'est forcé, ça, il s'est forcé à quoi? L'Ibrahim à conclure, اتفاقيات, des accords, تعاونين, donc, اتفاقيات تعاونين, des accords de coopération. Ma'a avec iddati, notez comment on dit beaucoup, une manière de dire beaucoup en arabe, ma'a iddati, ou plusieurs plutôt, avec plusieurs, ma'a iddati, voilà une manière de dire plusieurs, ma'a iddati, donc on met idda, et ensuite on met le nom au pluriel, douelin, ma'a iddati, douelin, arabiyatin, donc avec plusieurs pays, douelin, daoula,
C'est un pays, un État. Et Arabia, arabe, donc avec plusieurs États arabes. Doualina Arabiatin. Filmajalet, dans les domaines, donc dans les domaines l'iqtisadiyati, donc de l'économie, wattijariyati, et du commerce. On répète toujours et en arabe, peu importe le nombre de mots qu'on a, on répète et. Wattijariyati, et du commerce, donc domaine du commerce, wattaqafiyati, et de la culture. Donc dans les domaines, filmajalet, vous voyez là on met un pluriel, mais après on sépare. Donc dans les domaines de l'économie, du commerce et de la culture. L'iqtisadiyya, wa tijariyya, wa thaqafiyya. Wayara kathirun min sukkani al-iqlimi dhil aghlabiyyati al-muslima في اللغة العربية وسيلة لتطوير العلاقات مع الدول العربية وتنمية الإدارة المحلية. Donc, ويرى, et il voit. Donc, qui c'est qui voit? كثير من السكان الإقليم. كثير من السكان الإقليم. كثير, donc beaucoup de. Voilà comment on dit beaucoup de. Kathirun min, beaucoup de soukken, des habitants et l'iqlim, de la province. Soukken et l'iqlim, c'est une idafa, structure possessive. Donc les habitants de quoi? De l'iqlim. Premier terme, sans alif ou lam. Mais ici, comme on a une préposition, il se termine par kesra. Puis le deuxième terme avec alif ou lam. Le dernier terme plutôt, qui est le deuxième ici, et l'iqlim, donc les habitants, soukkani, et l'iqlim, donc les habitants de la province, vi, l'arlabir, qui a, à majorité, on va dire, comme ça, traduire comme ça, à majorité, ou qui a une majorité, qui possède une majorité, vi, arlabiyati, el-muslima, donc, structure intéressante à noter aussi, vi, arlabiyati, qui a une majorité al-muslima, musulmane, fil lughati al-arabiyyati, donc il voit, wa yara, kathirun min as-sukkan, donc beaucoup d'habitants et l'iqlim de la province, il voit quoi? Il voit où? Plutôt d'abord, fil lughati al-arabiyyati, il voit dans la langue arabe, il voit en la langue arabe, ou il voit dans la langue arabe, fil lughati al-arabiyyati, wasilatan, un moyen. Wasila, c'est un moyen. Les tatouiri, donc ici, tatouir, c'est le développement. Mais on va le traduire encore une fois par un verbe, puisque c'est un nom verbal ici, un nom d'action. Donc les tatouiri, donc un moyen. Wasilatan, donc il voit un moyen. COD, il voit quoi? Un moyen. COD, donc N à la fin. Les tatouiri, donc li, préposition, donc un nom après, on a kesra. Si c'était un verbe avec li, on a fetha. Donc li tatwiri el araqati, donc pour le développement des relations, ma'addouali, avec les pays, avec les états, l'arabiya, avec les états arabes, douali, donc ma'a, préposition, avec. Douali, donc qui se termine par kesra, parce qu'on a ma'a. Al-arabiyati, son adjectif, pareil. Les états, quoi? Arabes, lui aussi. Ici, on a kesra. Donc ici, pareil, kesra. Watanmiyati, et le développement, donc. Donc c'est plutôt. Donc un moyen de développer et un moyen de, voici la tenue de tenmiyati, de développer encore une fois, deux façons de dire développer, tatouir ou tenmiya. Donc tenmiya, de pareil, tenmiyati, de développer, d'améliorer,
de faire croître. El idarati, donc l'administration, el mahaliya, l'administration ou la gestion aussi, el idarati, l'administration ou la gestion, el mahaliya, local. Le mahaliya, mot à retenir, local. Donc un adjectif intéressant quand vous avez besoin de parler de quelque chose de local. Mahalli au masculin, mahalliya au féminin. Wa taqulu muwaddafatan, donc taqulu, elle dit, ki muwaddafatan, une employée. Muwaddafatan, c'est une employée. Donc non. Fi matar l'iqlim. Ou alors il y a une faute. Il y a une faute ici, c'est muwaddafatun, puisque c'est le sujet. Wa taqulu muwaddafatun, donc il y a une employée, c'est le sujet, donc muwaddafatun. Taqulu wa taqulu, donc elle dit, l'employée dit. Donc c'est une employée, puisque c'est féminin ici, on le voit, mais c'est pas n, c'est on. Hein, puisque le cas sujet c'est on, c'est pas n, n c'est le COD. On taqulu, elle dit quoi? Elle dit employé? Non. C'est l'employé qui dit. Qui est-ce qui dit? C'est l'employé. Donc si on pose la question qui est-ce qui dit, on trouve le sujet, donc celui qui fait l'action. L'employé dit. Donc ici c'est sujet, c'est muwaddafatun. Fi matari l'iqlimi, dans l'aéroport de la province. Innaha. Donc on voit bien que c'est elle qui dit, innaha, elle dit qu'elle, lahadat, qu'elle a remarqué, izdiyada, zouari l'arab. Donc elle a remarqué une augmentation, izdiyada, une augmentation, zouar, donc une augmentation de quoi? Des visiteurs, zouar, ce sont les visiteurs. L'arabe, des visiteurs arabes. Donc voilà, arabe au pluriel, c'est l'arabe. Donc arabi, le singulier, et l'arabe. Donc zouar, l'arabe. Donc des visiteurs arabes, une augmentation. Donc à Xinxian, si c'est comme ça qu'on dit, je ne me souviens plus. Ah non, Ningxia. Et donc une augmentation, elle a remarqué, donc là on voit bien que c'est le COD. Ici il n'y a pas de problème. Elle a remarqué quoi? Une augmentation, zouar l'arab, des visiteurs arabes. Walidalika, et c'est pour cela, qarrarat en. C'est pour cela qu'elle a décidé, et par conséquent elle a décidé, ou c'est pour cela qu'elle a décidé, qarrarat, donc c'est prendre une décision, décider, qarrarat, en tata'allama, donc quand on a en après le verbe tata'allama, le verbe au présent, il prend le fatha à la fin, donc ça devient un verbe au subjonctif arabe. Donc au lieu de dire tata'allamu, elle a décidé d'apprendre, tata'allama. Donc là, apprendre dans le sens d'apprentissage, apprendre elle-même, al-lughata al-arabiyata, d'apprendre quoi? Tata'allama, un verbe ici, et on pose la question quoi, donc on trouve l'objet, d'apprendre quoi? Le COD. Al-lughata al-arabiyata. Donc il se termine par fetha fetha. Wa huwa ma sayaudu alayha bi fawaid kathira. Wa huwa ma, et c'est ce qui va sayaudu alayha, et c'est ce qui va lui rapporter, sayaudu alayha, c'est ce qui va lui rapporter bi fawaid kathira. Beaucoup de fawaid, ce sont les bienfaits. فوائد donc يعود عليها بفوائد كثيرة. Donc c'est l'article qui termine sur une bonne touche. Donc وهو ما
وهو ما et c'est ce qui va سيعود عليها et c'est ce qui va وهو ما س et c'est ce qui va يعود عليها lui rapporter donc littéralement revenir à elle بفوائد كثيرة avec beaucoup de bienfaits donc bienfaits كثيرة بفوائد كثيرة. Donc voilà, on arrive à la fin de la traduction, de cette traduction, de cet article. Et donc j'ai ici noté cette racine, puisque j'essaie de prendre des racines assez rares, puisque c'est pour obtenir des résultats avec sans occurrence dans le Coran, sans occurrence dans le Coran, ça ne m'intéresse pas. Je préfère prendre des mots un peu rares, c'est plus difficile à s'en souvenir, donc j'insiste un peu dessus, comme ça, on peut s'en souvenir un peu plus facilement. Donc, Ibrahim, donc on a vu la conclusion d'un marché ou d'un accord, Ibrahim Ittifaqiyya, par exemple, Ibrahim Ittifaqiyya, la conclusion d'un accord. Donc, dans le Coran, je suis allé voir, donc, ici, et donc, j'ai mis Ba, Ra, Mim, pour voir ce que ça donnait. Donc on le trouve deux fois dans le Coran, twice, once as the form for verb, une fois en tant que verbe de forme 4, Abramu, et une fois en tant que verbe, que participe actif de forme 4, Mubrimun. Donc quand on dit participe actif, souvent on retrouve Mu au début, Mubrimun, c'est-à-dire qu'on nous parle de une action qui est en train d'être faite, participe actif, mubrimun, et que donc ils font l'action, ce dont on parle ici. Donc ici on a les traductions have they determined, ont-ils déterminé, are determined, ils sont déterminés, ou are determined, in mubrimun. Bon, on verra que ça c'est pas une bonne traduction. Donc voilà, j'ai pris les passages du Coran, donc qui sont ici, c'est la sourate 43, verset 79. Donc, ça doit commencer normalement là-dessus, à 78. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Laqad jinnaakum, laqad jinnaakum bilhaqqi, walakinna aktharakum lilhaqqi karihun. Donc, laqad jinnaakum. Certes, nous vous avions apporté bilhaqqi, la vérité, walakinna aktharakum, mais la plupart d'entre vous, aktharakum, lilhaqqi karihuna, détestez la vérité. La plupart d'entre vous détestez la vérité. Donc le passage suivant, am abramu amran فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. Ont-ils pris quelques décisions entre eux? Donc, M. Abramu Amran. Ont-ils pris quelques décisions entre eux? فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. Car c'est nous qui décidons. Donc, on a deux fois la racine. مُبْرِمُونَ, ici, participe actif. Donc, c'est nous qui décidons. Nous faisons l'action. مُبْرِمُونَ. Et ici, Abramu, donc le verbe Abrama, conclure, donc, comme on a vu tout à l'heure, mais ici, c'est prendre une décision. Donc, c'est quand même des sens assez proches, puisque quand on conclut un marché ou un accord, on prend une décision, on entérine quelque chose. On donne une légitimité à quelque chose. Par l'accord et l'accord commun qu'on peut prendre, puisqu'ici, on nous dit entre eux. Donc, il faut plusieurs parties pour entériner quelque chose et prendre une décision commune. Et puis je me suis demandé si on trouvait cette racine dans les hadiths. Alors tout ce que j'ai trouvé ici, c'est Burma. Donc Burma, si on fait par exemple recherche avec Google, qu'est-ce qu'on va trouver? Image. Donc la Birmanie, Birma, on va trouver, voilà. Et c'est ce qu'on a encore aujourd'hui, par exemple, au Maroc. Et c'est d'ailleurs le sens qu'il y a dans le hadith, c'est quand on parle de Burma, on parle de
Alors au Maroc, on dit le barma. Le barma, c'est là où on fait cuire. Voilà, c'est une espèce de casserole, chaudron, je sais pas comment on appelle ça. Voilà, ce genre de truc, le barma. On appelle ça. Donc si vous allez un jour au Maroc, dites-leur le barma. Ou si vous êtes marocain, vous devez savoir déjà, on dit le barma. Le barma, donc c'est cette chose-là. Il doit y avoir d'autres pays où on dit le barma aussi. Voilà, donc est-ce que ça a un rapport avec conclure ou entériner, etc. Je sais pas. Franchement, je sais pas. C'est dur de trouver le rapport là. Et l'évolution du mot. Mais en tout cas, voilà, c'est bon à savoir. Voilà, donc on a terminé cette vidéo. Et j'espère donc que vous aurez appris des mots et retenu quelques leçons de grammaire que je répète. Avant d'en avancer de nouvelles. Donc je répète déjà celles qu'on a vues. Et normalement, je s'en sentirai l'occasion, j'en introduirai une ou deux ou trois nouvelles et je les garderai encore sur plusieurs vidéos. Comme ça vous permet d'enraciner ce que vous apprenez et de le revoir en contexte plusieurs fois et de vraiment comprendre la règle avant de passer à autre chose. Et après, on reviendra dessus par cycle, puisqu'il n'y en a pas, il n'y a pas non plus 36 millions de règles. Là, par texte, on en voit plusieurs. Je pense qu'on voit à peu près une dizaine de règles comme ça, si ce n'est pas plus par texte. Puis après, donc, on en introduira de nouvelles. Et puis donc, on en laissera de côté quelques-unes. Et puis voilà, on tournera. Et donc, il y a à peu près, je pense, entre 50 et 100 règles importantes en arabe, vraiment crucial pour avoir un niveau avancé. Et après, il y en a encore plus que ça. Mais après, c'est plus un niveau avancé, c'est un niveau expert. Voilà, l'expert de la langue arabe. Et puis après, donc ça devient des règles, on va dire, moins utiles au débutant, à celui qui veut maîtriser la langue arabe. Moins utile. Après, s'il veut devenir expert, bien sûr, mais on essaiera d'aller le plus loin possible, Inch'Allah. Voilà donc, continuez à suivre ces vidéos, continuez à apprendre du vocabulaire, des règles, l'arabe, comme ces Chinois là. Y a toujours, ça va toujours, comme disait la fin du texte. Ici donc, et c'est ce qui va vous revenir. Donc, et c'est ce qui va vous rapporter beaucoup de bienfaits. Donc, il faut y croire, continuer. Et donc, je suis content quand je vois qu'on me dit qu'on progresse en arabe et qu'on apprend plus de vocabulaire. Vous êtes sur la bonne voie, continuez. Et qu'Allah vous aide, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.